raison. À l'audience d'aujourd'hui, la Cour était donc appelée à se prononcer sur les mémoires. Et pendant que la Cour, n'est-ce pas, partons de la présomption, et pendant que la Cour s'apprêtait pour rendre son avant-dire droit, la Cour a reçu une demande de revenir Salomon par le biais de son conseil. La demande sollicitant la réouverture des débats. Et l'objet, la réouverture des débats, les motifs, monsieur le président, de cette demande, les motifs est repris dans la lettre. Dans la lettre, je ne sais pas, monsieur le président, je vais avoir encore la lettre, nous l'avions ici. Donc, le motif est repris dans la lettre signée par Maître Mazaba ou Baka, avocat donc de M. Salomon, comme je l'ai dit tout à l'heure. M. Salomon demande la réouverture des débats, n'est-ce pas, pour lui permettre, par le biais de son conseil, de finaliser l'instruction relative aux mémoires uniques. C'est cela l'objet de la demande. C'est cela l'objet de la demande. Et, monsieur le président, c'est aujourd'hui que la défense était appelée donc à finaliser. Mais à l'audience d'aujourd'hui, une fois de plus, monsieur le président, monsieur Salomon n'est pas là. Monsieur Salomon n'est pas là parce qu'il est toujours interné à l'hôpital. Et pour justifier son absence, pour que le ministère public ne requiert pas les dépôts à sa charge, monsieur le président, le docteur Tchamala a rédigé une correspondance. Dans cette correspondance, monsieur le président, le docteur Tchamala dit clairement que il rappelle qu'il a déjà fait un rapport. Des rapports, il en a fait plusieurs, mais le tout dernier, n'est-ce pas, faisait état de l'absence, de la nécessité de transférer les prévenus Salomon dans un lieu approprié pour une intervention. Et dans ce rapport, le rapport d'aujourd'hui, le docteur Tchamala précise dans son rapport. Il dit clairement, monsieur le président, que les lieux indiqués pour soigner de prévenir Salomon, ce n'est pas en RDC, c'est en dehors du pays. Parce qu'il indique même l'hôpital. Il dit que le prévenir doit être transféré, d'ailleurs de manière pressante, en Belgique, à l'hôpital universitaire Erasme, qui donc dispose du plateau technique approprié pour soigner les prévenir Salomon. Mais, monsieur le président, nous disons, je dis oui, nous compatissons à cette situation. Nous savons qu'il est malade, mais il est sous le lien de la détention. Mais parce qu'il est sous le lien de la détention, légalement. Légalement, pour que le prévenu Salomon puisse quitter la RDC pour aller en Belgique, il faudrait que vous puissiez, n'est-ce pas, répondre à une requête. La requête de mise en liberté provisoire, que celui-ci, que le prévenu Salomon sera donc appelé à rédiger par le biais de ses conseils pour vous saisir. Mais nous rappelons, monsieur le président, que même s'il faisait la requête aujourd'hui, la Cour sera dans l'impossibilité de se prononcer pour la simple raison que le prévenu Salomon ainsi que ses avocats contestent votre compétence. Il dit que vous n'êtes pas, monsieur le président, personnellement compétent pour les juger. Donc, il faut nécessairement vider cette question. Il faut donc vider la question relative à la compétence de la Cour avant, n'est-ce pas, d'aborder la question relative à la liberté provisoire pour que Salomon aille se faire soigner en Belgique. Mais, monsieur le président, la réaction de la défense nous a surpris. Il semble que tout ce que nous venons de dire là, monsieur le président, ce que nous venons de dire, c'est du droit. Mais il semble que nous sommes en train de piéger. Il dit que le ministère public est en train de nous piéger. Que la question relative à la liberté provisoire
viendra plus tard. Alors qu'il doit être allé soigner, il doit être, n'est-ce pas, être transféré à Béjou pour être soigné. Il dit que cette question viendra plus tard. Il faudrait simplement renvoyer cette affaire sine die. Monsieur, c'est ce que ça signifie. Le sine die, c'est renvoyer cette affaire dans l'aléatoire, dans l'incertitude. Sine die. Mais, monsieur le président, nous disons que, monsieur, parce qu'on risque de dire que le ministère public ne fait pas preuve d'humanisme. Le ministère public dit qu'il faut, n'est-ce pas, accélérer avec la procédure pour que nous puissions réagir à sa requête qu'il aura à rédiger plus tard, parce qu'il est malade. Mais comment la même défense, n'est-ce pas, brandit la maladie du prévenu, qui nécessairement doit être soigné, et la même défense dit non, renvoyez-nous s'il est dit, renvoyez-nous même 3 ou 4 mois. Mais entre-temps, il doit aller se faire soigner. Donc, monsieur le président, dit ce membre-là, nous avions cru, parce que c'est vrai que nous l'avions dit. Nous l'avions dit, et en matière pénale, le principe est celui de la comparution personnelle. Nous sommes d'accord. En matière pénale aussi, monsieur le président, la loi pénale, le code de procédure pénale, le code judiciaire militaire admet le principe de la représentation. Admet ce principe. Mais encore que là, l'initiateur pose des conditions. Il faudrait que les faits pour lesquels le prévenu est poursuivi soient punissables d'une quantité de peine. Le principe de la représentation en matière pénale est valable, est reconnu, c'est ce que je dis, parce que les statuts posent des conditions, donc c'est, n'est-ce pas, de manière exceptionnelle, mais c'est reconnu. Et, monsieur le président, vous vous rappelez que même à l'audience d'aujourd'hui, moi déjà là où j'étais, je disais, bon, au moins nous avons évolué, parce que M. Tamiré, après la parole, a dit que nous attendons notre comparution à titre de représentation. À titre de représentation, mais conservatoire. Monsieur le Président, lorsqu'on représente les clients, ce n'est plus conservatoirement, donc on les représente. Donc on comparait à sa place. On comparait à sa place, monsieur le Président. Mais nous avons compris plus tard qu'ils ont plutôt acté leur comparution à titre conservatoire. Et qu'à titre conservatoire, à l'absence du prévenu, ils ne peuvent prendre la parole que pour solliciter la remise. Ça, c'est ce que nous avons dit. Mais nous avons aussi compris, monsieur le président, que dans le cadre de la présente cause, avec la défense du prévenu, nous avons débattu des questions techniques, comme le cas de Memo, qui fait l'objet des débats aujourd'hui. Nous avons débattu des questions techniques ici. Qui donc a permis des questions techniques, notamment en ce qui concerne la réception des rapports d'expertise, un débat où les avocats ont intervenu cette fois-là, pas pour solliciter une remise, mais pour donner, monsieur le président, n'est-ce pas, les avis, les plaidoiries en réplique au moyen du ministère public, les plaidoiries, monsieur le président, ou leur avis par rapport, n'est-ce pas, aux précisions données par les maîtres. Pour l'audience passée, et parce qu'à ce jour, vous n'avez plus rien avant des droits, monsieur le président. À ce jour, aucune voie d'appel n'a été. Les avocats n'ont pas usé de voie d'appel. Vous avez déjà pris une position. Je ne comprends pas qu'à ce jour, on revient encore. À cette audience-là, vous avez pris une position, vous avez donné la parole pour, n'est-ce pas, répliquer. Nous avons répliqué. Mais la défense aurait dû, pendant tout ce temps, monsieur le président, déposer un acte d'appel s'ils étaient contre la vente du droit qui a été rendu. Oui, monsieur le président, la défense risque d'être surprise. Les arrêts rendus, même si ces arrêts n'ont que la connotation préparatoire, hein,
même si ces arrêts n'ont pas la forme interlocutoire, monsieur le président, peuvent faire l'objet d'un appel. Et le Code judiciaire militaire prévoit ces cas dans l'article 248 du Code judiciaire militaire. 248. Le CETER le prévoit. Je suis le ministère de l'Intérieur. La Cour invite le ministère public. Mais ce n'est pas nous qui dirigeons les débats. Lorsqu'il y a violation de la loi, prétendue violation de la loi dans l'instruction, le ministère public ne peut pas faire cela d'une loi. Question des droits. Est-ce que les avocats peuvent-ils soutenir les mémoires uniques en dehors? C'est ça le débat des droits. Et le ministère public, malignement, fouille la question. Qui est la base légale? Je suis en train de l'entendre. C'est un organe de la loi. Et il parle sans la loi. Dites-nous, quelle est la base légale dans le code de justice militaire, dans le code de procédure pénale, qui impose aux avocats de répondre des moyens de loi à l'absence. Vous savez, ça, ce sont des questions que nous avons apprises au début de la formation en droit. Donc, même en ce qui concerne la forme, les avocats ne peuvent pas répondre des moyens de forme sans les prévenus. Ça, ce sont des notions abécédaires. Et j'ai entendu le ministère public de faire la réplique. Deuxièmement, le ministère public dit non, non, nous sommes pressants, nous sommes compatissants de répondre. Et depuis quand le ministère public répond à la demande de liberté provisoire? C'est pas même la place de la cour. Il dit non, non, je suis pressant. Et c'est comme si nous étions en train d'attendre de la compassion de sa part. Non, c'est une partie au procès. Il doit se mettre là parce qu'il va nous trouver sur son chemin. Donc il ne nous appartient pas à lui de nous dire quand est-ce que nous allons présenter une demande de liberté provisoire. Il est mis mal placé. Mais là où il a parlé avant de se voir, il dit, mais monsieur le premier président, on admet la représentation. Mais il n'est pas au bout de la logique. C'est là le débat des droits. Quand est-ce qu'il y a représentation? Et il parle à basse voix. Et c'est pour vous, c'est avec raison qu'il a dit qu'il n'a plus d'argument. Il n'en a pas. Donc, en matière de représentation, on ne représente que pour la remise écrite. Mais cette représentation, lorsque vous n'avez pas lu les ouvrages, vous pouvez penser que ce que le ministère de l'Église dit, elle vient du ciel. Non, c'est écrit tout ça. Donc, en matière de représentation, lorsque les avocats viennent, c'est pour solliciter la remise, c'est écrit. Vous pouvez lire Antoine Rubens, dont le ministère public est en train de donner des choses. Il peut donner même des ouvrages. C'est écrit. Ça ne vient pas de lui. Donc, lorsque les avocats comparaissent en matière de représentation en matière pénale, c'est pour solliciter la remise. Tous les arguments que nous développons, c'est pour solliciter la remise. Si le ministère public n'a plus d'arguments, qu'ils vous disent qu'il n'a plus d'arguments, qu'il accède. À ce que nous avons dit, parce qu'aujourd'hui, c'est la première fois que nous voyons que le ministère public n'a plus d'arguments, constater qu'il n'a plus d'arguments, et faites droit à notre demande. Nous avons dit. Monsieur le Président, oui, Monsieur le Président, pour compléter avec moins de vigueur, parce qu'il faut dire qu'il fait très chaud à l'extérieur, le ministère public importe la chaleur extérieure dans nos cerveaux aussi, en soutenant une chose et son contraire à la fois. Nous avons, comme le dit le confrère Gérard, nous avons posé une question précise. Ministère public, organe de la loi, gardien de la légalité, donnez-nous la base légale, la base juridique de la concertation du siège avec le ministère public. Tiens notre intervention à l'État, monsieur le président. Il n'y a pas une concertation quelconque. La Cour vous suit. Oui, monsieur le président, honorable membre de la Cour, nous avons posé une question précise au ministère public qui nous donne la base juridique, la base légale, qui nous dise telle disposition légale autorise ce qu'il est en train de vouloir vous amener à faire. Pourtant, vous avez déjà compris. Et il le sait. Il vous dit qu'il n'a pas de nouveaux éléments. Il aurait pu se taire, nous ne serions plus ici en train de parler. Mais, en ne se taisant pas, il a en fait enfoncé le clou de ce que nous pouvons appeler la confusion. Il revient sur notre requête en ouverture et débat. Nous avons dit notre requête en ouverture et débat était valable
vous l'avez sanctionné par la vente du droit que vous venez de rendre en y faisant droit. C'est-à-dire que pour vous, c'était valable. Nous avions demandé pour répliquer. Effectivement, oui, pour répliquer. Mais répliquer dans les termes et les formes de la loi. Notre requête ne remplace aucune loi. Notre requête n'est pas une loi pour se poser à la Cour. Nous avons sollicité, vous avez fait droit, et nous vous avons remercié pour cela. Alors, nous allons répliquer, oui. Mais répliquer, c'est prendre des moyens de droit. En l'absence de notre client, c'est légalement impossible, et le ministère public le sait. Quand il se réfère aux interventions à l'occasion du dépôt des rapports médicaux de médecins, parce que j'ai l'impression qu'on est en train d'oublier qu'à part le docteur Tchiamala, auteur de la lettre d'information de ce matin et du dernier rapport du 5 mai, n'est pas le seul à être intervenu. Malgré sa qualité d'officier de l'ordre national de héros nationaux, dont un homme crédible, pas seulement pour sa qualité scientifique, pas seulement pour son autorité en matière scientifique, mais aussi sur le plan sociopolitique, c'est un homme crédible. Au-delà de son propre rapport, qui paraissait ne pas emporter la conviction de certaines parties au procès, je parle ici du ministère public particulièrement, il est d'ailleurs la seule partie au procès qui apparemment n'était pas convaincue, qui a demandé des contre-expertises. Vous avez pris un avant-dire droit pour désigner des experts médicaux. Au-delà même de deux ou trois que vous aviez mis dans l'avant-dire droit, on a connu une expertise collégiale d'une vingtaine de médecins. Ils ont tous dit la même chose, ils ont corroboré le rapport antérieur du médecin Tchiamala. Nous ne devons pas oublier cela. Quand on parle d'humanisme ou d'humanité, je pense que si on était vraiment humain, d'ailleurs ce procès n'aurait pas pu exister. Si ce procès, si on était vraiment humain, le ministère public n'aurait pas pu perdre le temps de la Cour, le temps de la nation. Pour un procès de ce genre, nous ne sommes pas encore sur le fond, Monsieur le Président. Donc, nous revenons pour dire, oui, nous avons sollicité la réouverture du débat pour répliquer et nous répliquerons, mais en nous conformant à la loi. Le ministère public vous dit, je voudrais aller dans ce qu'il a cru être nouveau dans son intervention. Il dit, les avocats du prévenu ne sont pas allés en appel, on ne sait pas contre quelle décision. On ne sait pas contre quelle décision. Est-ce que franchement, autant que vous nous voyez ici, en nous regardant, nous pouvons faire cela, une telle bourde, faire ce qui n'est pas prévu par la loi, ou le contraire de la loi? Et il vous cite l'article 248, que nous avons sous les yeux ici. Que dit l'article 248, monsieur l'organe de la loi? Les jugements prévus aux articles 246 et 247 sont rendus à la majorité de voix. Ils peuvent être attaqués en même temps que le jugement sur le fond, conformément aux dispositions du présent code. Ils peuvent être attaqués en même temps que le jugement sur le fond. Toute déclaration faite de greffe relative à une voie de recours dirigée contre ces jugements sera jointe par la juridiction à la procédure sous examen. Voilà ce que dit la loi. Voilà ce que dit la loi. Nous allions faire appel contre quelle décision de votre part? Vous êtes-vous prononcé sur ce qui a été développé conformément aux articles 246, 247? 246, c'est le mémoire unique. Est-ce que vous êtes déjà prononcé sur ce mémoire unique? Et même quand vous seriez prononcé, la loi dit, vous devez attendre le jugement sur le fond. Est-ce que nous y sommes? Oui ou non? Nous demeurons prévenus, monsieur le Premier Président. Et si le ministère public vous accorde la parole pour parler, s'il énerve nos interventions, notre droit d'intervenir. La parole au ministère public. Je vous en prie. Monsieur le Président, j'ai demandé la parole. Les débats et pas en délibéré la presse pour se prononcer. Vendredi 15 décembre. Bien, plus rien ne reste en rôle.
L'audience est suspendue. Vous portez à main Monsieur le Président de la Cour militaire Kinshasa Gombe, mon colonel. La police d'audience, autant. À vos ordres, mon colonel. Impossible sur le plan des droits d'inviter la partie prévenue à présenter ses moyens contre ceux du ministère public en réplique tant que notre client demeure encore malade. Donc aujourd'hui, nous avons dit que nous étions disponibles à rencontrer le ministère public, mais on devait respecter la loi, le code de justice militaire ainsi que le code de procédure pénale qui impose à la juridiction de faire comparaître la partie prévenue avant de soulever. Ça veut dire que nécessite son évacuation à l'extérieur du pays et nous avons estimé que à l'audience prochaine, et nous allons voir si les choses ne vont pas évoluer, nous serons la Cour sera obligée dans l'obligation pour le respect des droits de la défense, pour le respect des droits de l'homme, de renvoyer la Cour de Sinédier pour permettre à la partie prévenue de se faire soigner. Et ce n'est pas une première, mais ça s'est déjà produit dans d'autres procès. Il ne faut pas qu'on donne à ce procès un caractère autre. Donc, tant que l'état de santé de Salomon, le prévenu fait défaut, c'est impossible qu'il puisse comparaître. On ne peut pas juger, la question a déjà sa réponse, on ne peut pas juger quelqu'un qui est malade. Mmh. Donc, nous avons des arguments valables que nous pouvons faire valoir à n'importe quel moment du procédé. Mais la loi n'oblige pas quelqu'un qui est malade de comparaître à n'importe quel moment dès lors qu'il est malade. Comment convaincre la Cour à prendre la décision à l'absence du prévenu? Non, la procédure est illégale. La procédure est prévue par la loi. Parce qu'en matière pénale, la comparution personnelle du prévenu est obligatoire. Les avocats ne peuvent pas prendre la parole tant sur la forme que sur le fond, en dehors. Parce que les préventions pour lesquelles notre client est poursuivi, et peuvent l'amener à une peine capitale. Donc la représentation n'est pas admise en cette matière. D'accord.